taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers, et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de Sanglier et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Oui, c'est un bel animal après tout. Un bel étalon. Avec le comportement de aux trois balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, comment tu sais ça, toi? C'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagiar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des Maillard, le youtubeur, mentionné à deux reprises. Le joueur, le... obtenir de détails. Le maître je des... les ai aussi des jeux de rôle. Se vanter de tout l'or qu'il gagnait. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre ma grand-mère, je ne dirai pas un mot de tout ça. Normalement, on va se marier tous les deux. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. Comme ce qu'on a s'apprête de faire. Cette idée. Protégo. Un centaure. Fais bien attention. Bien attention. Ok. Peux le capturer avec mon sac magique? Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Yep. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Ah ouais. Perdons donc patience avec moi, monsieur. Nous verrons lequel de nous deux est l'étalon. C'était un sacré charmeur. Oh oui. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? Parce que je suis de mèche avec eux. J'ai discuté avec quelques habitants de Préolar. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Insère, capturons-le. C'est la troisième fois que je vois un fangu aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. Bah oui. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. Ma présence. Je rends les gens violents et va tous essayer de me tuer. Je sais pas pourquoi. C'est parce que je bizarre. Suis beau. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Ah. C'est du métal gobelin. Ça les métal gobelins dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Du métal gobelin. Attendez, il y avait aussi la chose la plus importante que j'ai vue. Ah, un petit verre comme ça. Ouais. Je sais pas comment ça fait que je peux boire avec ce masque, mais j'y arrive. Hop. Il y a quelque chose. Un métal gobelin. Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobelin. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. Ok. J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revelio. Ok.
Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Ne sais pas. Regarde, là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Si tu veux mon avis, Poudlard a bien... Je refuse d'écouter vos sornettes. Si vous me plantez encore une fois, vous n'aurez plus que des braconniers pour vous tenir compagnie. Il va y avoir du En Protectus Totalus, tout le monde. Réveillon. Pas de quête pour rien. Ah, il y a une petite bourse ici. Prends la bourse. Je te vois. Je te pouletise. Et tu... On pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. D'abord, on pitou. Un pitou? Non, c'est pas pitou. Coupage des caméras pour une cinématique, peut-être? Ça alors, par Merlin? Ce sont des dragons. Oh, la belle belt. On va tous les tuer, tous. C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant, et pourquoi ces secrets. Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Priola. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends qu'ils méprisent les sorciers. On aime bien les combats des jeux de duel entre magiciens, donc... Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour finir un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Non, si tout le monde est mort, je ne fais pas repérer. Hein. Donc, mission ninja. Ok, je relève le défi, mademoiselle. L'ami. Let's go. Mission infiltration. Réveillon. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer à marcher avec eux. La clé, sa description. La clé, c'est de masser les gens à coups de baguette dans la bouche. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, et puisque nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Bah, moi, je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. J'ignore comment Ranrock fait pour supporter Rockwood. Quel abject personnage. Nous n'en... Petitus Totalus. Qu'est-ce qu'il disait, là? Quelqu'un va regretter son intrusion. Qu'est-ce qu'il disait, oui? Moi, je ne regrette rien. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Le dragon? Non! Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée.
Alors, allons l'aider, d'accord? Ok. Oui. Je suis discret comme un ninja. Regarde, ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Allô, Mola. Ah, mais ça a défait mon magie. C'est Calissi qui va être gentille, qui va être contente. Très bien. J'ai l'œuf. Zéleuf. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Attention ! Ranrock veut que son dragon reste intact. Bam bam et bam bam. Ah mais ça peut marcher. Endoloris. J'ai endormi Loris. Ah le boss. Andruis! Andruis. Et voilà. Il voulait pas venir le gobelin. J'ai actionné. C'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. J'adore le masque, par exemple. Oh. Niam, niam, niam. Heureusement qu'on est seul à connaître le sort de bouclier. Il peut se casser aussi, le mec.
Opération Ninja hors d'ici. C'était un noir des hybrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. On doit lui redonner, d'ailleurs. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partisan. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Si. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. On a laissé la caméra haute pour le dialogue. Tout fait en de l'œuf. Que le dragon qu'on a libéré s'est envolé. Est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Bah ça c'est logique ma fille. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Et dans une omelette ça marche. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? Oui. Serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis un peu débile dans ce truc de personnage postural. Mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Oh t'inquiète, ça va. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Et c'est là-dessus, YouTube Boys, qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Je vous souhaite donc une bonne journée.